7h47 du matin, on est arrivé au paddock, départ vers 8h15 à peu près. Donc il va falloir s'habiller aussi. Du coup, je fais les petites gourdes avec les boissons à l'effort. Ça m'aide énormément. Puis changement de casque, qui dit changement de casque, je dis changement de micro. Et ça prend un temps fou. Allez, nous voilà reparti pour la deuxième journée de la ronde. Alors là, je suis avec deux abonnés que j'ai rencontrés la dernière fois sur un terrain. On est sur une spéciale, donc j'aurais dit écoutez les gars, je vais partir avec vous aujourd'hui, ça va être cool, on va bien rigoler. Par contre là ça va être moins drôle parce que ça va glisser comme tout. Yeah.
prénom ? Geoffrey. Geoffrey, bah bienvenue Geoffrey. C'est bon ? Ouais, je pense. Allez, c'est parti. Bonheur. Si je devais arriver, j'étais... Ah, ça se tente, ça. Bien sûr que ça se tente. Il n'y a rien de fou, mais ça fait du bien. Dans le gosier. C'est super plaisant, les chemins comme ça, là, à descendre. De quoi ? Hein ? Bien passé à faire les temps ? Ouais, ça va. Ça glisse. Voilà au CH8, comme vous pouvez voir, ma coupe de cheveux qui n'a pas survécu les deux premiers CH. La moto va bien, le bonhomme est tombé, il a un peu mal à la jambe, mais pour le moment ça va, ça me gêne beaucoup quand je marche, c'est assez mal, mais quand je roule, nickel. Donc plutôt grand trapis, on va rentrer en moto, on va finir la journée. Et là du coup je vais aller rouler avec Axel et son papa Philippe, que vous avez déjà vu dans la vidéo Crayon, parce qu'ils font aussi la rampe, donc on va finir la journée avec eux.
Et on va voir, vu qu'il a plu hier, je pense que ça va être défoncé. Surtout le cross final. Sachant qu'il y a 3 tours à chaque fois, il va y avoir 400 pilotes avant nous. Ça fait 1200 tours sur la même spéciale qui est toute petite. Donc je pense que ça va être drôle, on va bien rigoler. Oh merde! Putain, elle est boule pour lui. Ah, ça va être dur là. Oh putain! C'est gras, j'ai du mal, j'aime pas ça. Ouais, j'arrive pas à trouver la confiance. La forme? T'as assez gras, hein, j'aime pas. Mais ça passe super bien la fin là, il n'y a aucune difficulté. Oh. Bah, j'ai perdu l'équipe dès le début. Bon, vous venez de voir là, SP8, j'ai eu du mal. Je sais pas quelle trace prendre, mais ça c'est pareil, ça s'apprend au fur et à mesure des courses. J'ai jamais roulé dans ces conditions là. Donc c'est super intéressant franchement. Quand tu te fais laver comme ça, ça te fait réfléchir un peu
un petit peu. C'est vrai que ça c'est des conditions que tu retrouves souvent que en course, parce que moi j'ai jamais roulé sur une spéciale comme ça avant, tout simplement. Donc hyper intéressant, j'ai du mal à trouver le grip en fait, et je pense que c'est beaucoup dû à mes trajectoires, et j'essaie peut-être d'être trop violent, je sais pas, je m'en rends pas compte. Et du coup, voilà, il faut que je m'adapte. Je vais essayer la courbe soft, pluie, sur la bêta, parce que là du coup je l'ai mise et j'ai l'impression que dans les chemins comme ça, c'est beaucoup plus doux. Donc on va voir si ça porte ses fruits, ma foi. On va voir. C'est pas évident de parler quand tu connais pas les chemins et qu'ils sont dans cet état-là. Par rapport à mon pied, je pensais que ça allait me faire mal toute la journée. Bah là, je sens quasiment plus rien de douleur, je veux dire, je sens toujours mon pied. Sur le moment, par contre, je vous jure, ça m'avait tanné. Alors, ce qui est bizarre, les gars, c'est que je ressens pas la fatigue physique. Genre vraiment, dans les spéciales, je suis bien, j'ai pas mal au bras. Par contre, je ressens la fatigue, vous savez, mentale. Parce que ça fait très longtemps que j'avais pas roulé aussi longtemps. On parle de là, hier la journée elle faisait 8h avec les CH, 8h30. Et aujourd'hui, ça va être un truc de genre 6h. Et vous voyez là, j'ai du mal à analyser le truc. C'est terrible. Par contre, le mode pluie là, en liaison, ça va super bien. Je suis choqué. Non. Je suis 903. C'est mon numéro. Oh.
Merci. Ça va être une galère à flouter ça les gars, vous abusez.
Bien, j'ai débloqué un peu mais c'est pas mal. Ça va? Ça va? Attention, ta forme? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, c'était cool, c'était cool. Je suis bien parti pour dire que j'ai une petite cylindrée. Après ça s'est poussé dans tous les sens. C'est 200? Ouais, ça va? Ouais, ouais. C'était fun. Ouais. J'ai bien aimé. Bonne course, c'est fun. Ouais. La bonne ambiance. Surtout pour finir, tu vois. Ouais. Bonjour, Geoffrey. Et du coup, tu vois, c'était pas mal. Et puis en plus, j'étais avec du coup Axel. Ouais, ouais. C'est le gars de Triomphe Saint-Etienne. Ouais, là. Ouais. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Ça va? Ça va et toi? Ouais, la forme. Quand on a roulé ensemble, il est parti devant, il a mieux roulé. Ouais. Et il y avait aussi Fabien. Bon, c'est une fin de journée, surtout une fin de rando Auvergne. C'était dingue, jusqu'au dernier centimètre de roulage, dernier mètre, c'était ouf. Vous voyez, on a toujours Yves et Félix, ils sont au rendez-vous, ils ont été parfaits. Franchement, c'est une expérience de fou, donc merci beaucoup à eux. Puis merci à vous d'être venus, je me suis régalé, c'était trop bien. Vous avez été tellement nombreux à encourager dans les spéciales, venir me voir, envoyer des messages, m'envoyer les vidéos, les photos, c'était dingue. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt. De toute façon, je participe aux deux dernières épreuves du championnat de France, donc on se verra là-bas. Puis sur ce, voilà, vous pouvez suivre, continuer les vidéos. Et n'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous avez, photos, vidéos, etc. Et puis mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on change de format pour les prochaines courses ou pas? Donc dites-moi. Merci à tous.